condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle. Toujours glacé de sa présence. Toujours courbé sous son poids. Condamné à mort. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, sanglante, une implacable idée. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sous les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes. Et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent. Et pendant que je traversais la longue salle entre 2 masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. Alors il se fit un grand silence. Je compris tout à coup que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres s'étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi.
Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. À travers les nuages qui me semblaient s'être interposés entre le monde et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me regardaient avec des yeux avides. Bon, dit la plus jeune en battant des mains. Ce sera dans 6 semaines. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Le dimanche après la messe, ils me lâchent dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont de bonnes gens, les misérables. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. La tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai un jour ne sera peut-être pas inutile. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense. Une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. À moins qu'après ma mort, le vent les joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue. Ou qu'ils n'aillent pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres ? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres,
la nature, la liberté, la vie. Tout cela n'est plus à moi. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes. Sans fils, sans mari, sans père. 3 orphelines de différentes espèces. 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Mais ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Mais mon enfant, ma fille, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à 7 heures et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée. À retrouver chaque homme sous chaque nom. À rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Malheureusement, je n'étais pas malade.
Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre. Au soleil. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait. J'éprouvais une grande lassitude. Ma femme, tout en colère, je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment, j'entendis s'élever une voix. Qu'as-tu donc avoué, l'île en femme allurée? J'ai tué un homme, l'île en femme allurée. Son argent j'ai volé, l'île en femme allurée. Et ses boucles d'argent, l'île en femme allurée. Ma femme part pour Versailles, l'île en femme allurée. Et au pied de sa majesté, l'île en femme allurée. Elle lui donne une supplique. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé. Mais le grand roi se fâche, l'île en femme allurée. Il dit par ma couronne, l'île en femme allurée. Je lui ferai danser une danse, l'île en femme allurée. Où il n'y a pas de plancher, l'île en femme allurée. Où il n'y a pas de plancher. Si je m'évadais. Je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. C'est pour aujourd'hui. Au moment où 6h30 sonnait, la porte s'est rouverte une seconde fois. Un espèce de monsieur en habit noir s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie. Je suis ici près de la Cour royale de justice de Paris. Et j'ai l'honneur de vous apporter un message de Monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. J'ai repris d'une voix ferme, « Lisez, monsieur. » Alors il se mit à me lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté. Comme vous voudrez, monsieur, lui ai-je répondu. À votre aise. Un moyen de fuir. Mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade sur le champ. Il faut que je m'évade par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres.
Orage, démon, malédiction. Il faudrait des mois pour percer ces murs avec de bons outils. Je n'ai ni un clou, ni une heure. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver, ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer, de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Grand Dieu. Quand elle sera grande, que deviendra-t-elle si elle va jusque-là? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi. De moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie! Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? C'est moi qui vais mourir. Le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table. Encore si je savais comment cela est fait. De quelle façon on meurt là-dessus? Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. C'est comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui me glaçait, j'avais peur. Je pensais que c'était peut-être des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire, elle résista. Étonné, je tirai plus fort, elle céda brusquement. Cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille, « Que faites-vous là ? » Elle ne répondit pas. Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton.
Au même moment, j'ai senti trois dents aiguës s'imprimer sur ma main, dans les ténèbres. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs. Et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal au coude. Encore 2h45 et je serai guéri. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Qu'est-ce donc que cette angoisse de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Je suis calme maintenant. Tout est fini. Bien fini. Allons, mon fils.